tous pratiquement boulevard Saint-Michel. Beaucoup d'ailleurs boulevard Saint-Michel. Bon, enfin en tout cas dans le quartier latin, même un bout de souffle sur le quai. Là. Bon, et en fait, moi j'ai eu assez vite l'idée de que mon premier film se passerait non pas à Paris, mais loin de Paris, à la campagne, l'été, et voilà, c'est ça. C'était l'idée de retourner dans ma province, le provincial que j'étais. Et en fait, c'est ce qui a fait un peu la différence avec les autres films et qui peut-être en a expliqué un peu le succès. En tout cas, voilà, ce n'était pas la même imagerie que les autres. Et tu peux nous rappeler sur quel film tu as collaboré comme scénariste et de qui tu as été aussi l'assistant éventuellement? Oui, alors le scénariste, effectivement, on est venu présenter il y a quelque temps ici, L'Homme de Rio. Donc c'était il y a 2 ans ou 1 an. 2 ans, oui. Et là, j'étais effectivement co-scénariste avec Philippe de Broca, Daniel Boulanger. Et dans la salle, le fils de Philippe, ce cher Philippe de Broca, Alexandre, qui est là, quelque part, et qui n'a jamais vu le film. Moi, c'est une honte, Alexandre. Et ton père n'avait aucun pouvoir sur toi. Donc, voilà. Et oui, donc Louis Malle, Alain Cavalier, enfin, Paul Sauté, qui a travaillé donc aussi sur le scénario de David Chateau. Alors, des gens de ma génération. Voilà. En savoir juste un tout petit peu plus sur le générique, au scénario, il y a donc Jean-Paul Rapneau, il y a Claude Sauté, il y a Alain Cavalier et il y a Daniel Boulanger. Alors qui a fait quoi? Ah ben, alors moi de toute façon je suis toujours pour le. Enfin je crois beaucoup au scénario multicouche. Alors c'est moi qui tiens toujours la plume. Ouais. Et qui fait la première couche. La première couche, avait la première narration, sur une idée de Alain Cavalier et de moi. Donc, et donc une première version. Et voilà, Alain Cavalier, la grande idée d'Alain, c'est. J'avais une certaine histoire qui se passait dans un château à la campagne, avec des jeunes filles à bicyclette, donc, comme on aime, comme Nina Companège qui est là, aime aussi. Nous sommes frères et sœurs dans l'amour des jeunes filles sous les pommiers. Et puis c'est Alain Cavalier qui dit à qui je raconte l'histoire, qui me dit bah oui, mais alors c'est la comtesse de Ségur. Et je dis bah oui, mais non, mais ça sera très charmant. Et pourquoi ça se passera, pourquoi dit-il un matin, ça ne se passerait pas pendant la guerre? Bah, tu es fou. Hein. Mais si, la même chose, mais pendant la guerre. Et voilà, le film est... On va pas en dire beaucoup plus. Non, il faut. Il faut brouiller le film. En plus, ça fait pendant quelques minutes, on ne sait pas du tout que ça se passe pendant la guerre. Donc ça y est, on a déjà raté l'effet de surprise. Donc, juste quelques mots sur le casting. Donc, éblouissant, avec dans les 3 rôles principaux, donc Catherine Deneuve, Philippe Noiret et Henri Garcin. Comment est-ce que, on parlera après le film des seconds rôles, qui sont tous formidables, Pierre Brasseur, Marie Marquet, etc. Comment est-ce que, déjà, le choix de Catherine Deneuve et le choix de Philippe Noiret Catherine Deneuve, en vérité, ça devait être au départ. Le film a eu 2 années qui ont précédé de préparation difficile. Enfin, c'est très clair pour Jean-Paul Rapneau, ça, 2 années. Oui, 2 années, c'est ça. Claude Chabrol me disait ça à une époque. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, ben, je dis, je crois que je vais tourner un film l'année prochaine. Oh, attends, arrête, ne te précipite pas quand même. C'est pas de bêtises. Alors, donc, ça devait être Françoise d'Orléac qui jouait dans L'Homme de Rio déjà. Ça devait être Françoise d'Orléac, oui, parce que c'était dans la foulée de L'Homme de Rio, ça, dans l'année qui a suivi. Et en vérité, elle a pas, finalement, au dernier moment, elle n'était pas libre. Et sa sœur Catherine sortait du triomphe des parapluies de Cherbourg, qui avait eu la Palme d'Or à Cannes l'année précédente. Et voilà, on est allé d'une sœur à l'autre, avec la bénédiction de Françoise. Prenez ma sœur. Ah, d'accord. Voilà. Et Noiret, alors Noiret, ben, parce que moi j'avais tout. C'était pas ta première idée. Oh non, mais ça va durer des heures. Non, on dévoile rien du film en disant que. Oui, parce qu'on va parler de Claude Sauté que tu connais. Il n'y a pas de Claude Sauté sans BIM maintenant, avec le livre extraordinaire que tu as écrit. Et.
Alors oui, c'est ça. Bah, ça écoutez, ça devait être Louis Jourdan, vous savez, cet acteur français qui avait tourné à Hollywood. Qui avait tourné à Hollywood. Et moi, comme vous avez quand même beaucoup en tête l'idée de faire une sorte, à la manière de comédie américaine, mais à la française, disais-je, j'ai dit, bah, il faudrait un type très élégant dans le rôle principal. Et il y en a un qui n'est plus là, mais qui est à Hollywood, et qui pourrait une sorte de Cary Grant français. Oui, qui ben, Louis Jourdan. Ben, il vit encore, me dit son ah, oui, il vit encore. C'est une conversation avec Claude, ça, quand il commence à parler avec moi. Et, alors, il vit encore, oui, ben, oui, il vit encore. Et pourquoi lui ben, parce que Cary Grant, voilà, là. T'en as très élégant, oui, oui, bien sûr. Oui, mais enfin, je comprends, oui, peut-être, très élégant, peut-être, mais enfin. Ça se passe en France, dans le terroir français, c'est une histoire de campagne. Il faut quelqu'un qui ait l'amour des choses, des fruits, de la nature. Et est-ce que tu as pensé à Noiret ? Alors, je dis, mais à Noiret, ce type avec ce long nez, parce que tu ne vas pas voir les films avec des gens qui ont des longs nez. Ça va bien avec Cyrano. Bon, c'était pas encore fait. Et alors, je dis, bah oui, peut-être, mais en vérité, je connaissais Noiret. Ben oui, parce que dès le début, et c'est là que vous verrez la première image, on peut parler, il est dans un fruitier et il respire les fruits. Donc le nez joue déjà un rôle dès la première image. Donc voilà, on a pris Noiret, c'était merveilleux. Et vous verrez qu'il est. Bon, là, et les autres. Donc, on parlera après, non, peut-être. Ouais, oui, allez, c'était juste pour donner un avant-goût, pour que vous êtes sûr que vous restiez après. Ben, vous n'êtes pas forcé de rester après. Si. À tout à l'heure. Bonne